Marche avec nous, accompagne-nous, Seigneur. Accompagne-nous, 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 accompagne-nous. Oh, alléluia. Accompagne-nous, accompagne-nous, accompagne-nous. Oh, Jésus, accompagne-nous. Accompagne-nous, Seigneur. Accompagne-nous, sois avec nous. Depuis ce premier jour, accompagne-nous. Accompagne-nous. Nous voulons chaque jour, Seigneur, profiter de ta présence. Nous voulons chaque jour être enveloppés, environnés de ta gloire. Nous voulons chaque jour, Seigneur, vivre ta gloire en ce lieu. Nous voulons chaque jour, oh Dieu, nos cœurs soupirent après toi, nos cœurs s'attendent à toi, nos cœurs s'attendent à toi, nos cœurs te désirent, oh Dieu, nos cœurs te recherchent, éternel. Merci d'étancher la soif de chacun d'entre nous. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci d'étancher notre soif au cours de ces 21 jours. Merci de transformer des vies. Merci de changer nos cœurs. Merci Seigneur de nous amener dans les profondeurs. Merci de nous aider à creuser encore plus profondément. Merci de nous aider à creuser et à creuser encore pour aller loin avec toi. Merci Père, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Nous allons prier pour la parole que nous voulons recevoir. Chacun va disposer son cœur à recevoir cette parole. Désire la révélation de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Je vais t'écouter, je vais te capter. Je veux recevoir quelque chose qui va m'aider à avancer avec toi. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Merci, merci. Conduis-nous, Seigneur. Dirige-nous, s'il te plaît. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Conduis-nous pendant ce temps. Conduis-nous pendant ce temps. Ta parole est la vie. Ta parole est notre nourriture. Ta parole est notre pain quotidien. Ta parole est notre pain quotidien. Ta parole, Seigneur, est notre lumière. Illumine nos yeux, illumine nos yeux, illumine nos yeux, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, nous voici en ce premier jour, nous sommes là et nous voulons t'écouter, nous voulons recevoir ta parole. Seigneur, nous prions que tu nous parles, parle à chacun de nos cœurs et accorde que Seigneur, à l'issue de cette parole, que nous puissions prendre des décisions qui nous aideront encore à nous approcher de toi, qui nous aideront encore, Seigneur, à mieux te connaître, afin, Seigneur, de mieux te servir. Saint-Esprit, merci. Tu es toujours là. Tu nous accompagnes. Jamais tu ne nous laisses tomber. Merci infiniment d'être là et de oindre cette parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus.
Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons reprendre notre place. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, nous commençons nos 21 jours aujourd'hui et le grand thème que nous avons annoncé est « Aller plus loin avec Dieu » qui est notre thème de l'année et nous avons choisi de pouvoir en parler tout ce mois de janvier durant ces 21 jours et par la grâce de Dieu, nous aurons plusieurs orateurs qui vont passer en ce lieu pour nous apporter la parole de Dieu, pour nous édifier à travers ces sujets-là. Amen. Et pour ce soir particulièrement, je voudrais aborder dans le même sens de ce que j'ai dit le matin, parce que nous étions ici le matin à 9h, de 9h à 12h, et nous avons eu à partager. Et quand je me préparais pour ces instants, je demandais au Seigneur par où commencer. Le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir commencer par préparer les enfants de Dieu sur le jeûne. Et c'est comme ça que nous allons prendre comme sous-thème ce soir « Comment réussir son jeûne ?» Nous avons commencé à en parler les avant-midi et nous allons revenir sur certaines choses pour ceux qui n'étaient pas là et ceux qui nous suivent en direct. Et puis ensuite, nous compléterons ce que nous avons à dire ce soir. « Comment réussir son jeûne ?» Comment réussir son jeûne ? Il est important que d'entrée des jeux, alors que nous commençons ces premiers jours, de 21 jours de jeûne et prière, que chacun sache comment il doit jeûner. Parce que le manque de compréhension peut nous faire rater ces instants. Si nous ne comprenons pas comment nous devons jeûner, pourquoi nous jeûnons, nous risquons de rater ces jeûnes. Mais je prie Dieu que durant ces 21 jours, que chacun de nous réussisse à jeûner très bien et à réussir son jeûne. Alléluia. Commençons par la définition. Définissons les concepts. C'est quoi jeûner ou le jeûne? Jeûner signifie se priver de nourriture pendant une période donnée. Jeûner signifie se priver de nourriture pendant une période donnée. Mais là, c'est en général, de manière globale. C'est se priver de nourriture pendant une période donnée. Mais à côté de cela, il y a des spécificités importantes sur lesquelles nous devons revenir dans notre cadre d'église ou de la foi chrétienne. Parce que se priver de nourriture pendant une période donnée n'est pas le lot seulement de ceux qui connaissent Dieu. N'importe qui peut le faire. Les gens jeûnent pour plusieurs raisons. Mais dans les cadres chrétiens, bibliques, le jeûne, c'est toute abstinence de la nourriture pour vaquer à la prière plus intensément. Toute abstinence de la nourriture pour vaquer à la prière plus intensément. Ici, un élément s'ajoute, la prière. Prier intensément. Lorsqu'on jeûne, il faut se rassurer de ne pas simplement se priver de nourriture, mais il faut aussi prier et prier intensément. Priez beaucoup plus que d'habitude. Le jeûne, c'est la privation aussi des désirs charnels ou des désirs du corps pour vaquer à la prière. La privation des désirs charnels ou des désirs du corps pour vaquer à la prière. Ceux qui sont mariés s'abstiennent du désir sexuel. Ceux qui ne le sont pas s'abstiennent de tout ce qui peut plaire au corps. Par exemple, d'habitude, nous faisons des choses que nous aimons. Suivre la télévision pendant des longues heures, aller sur Internet, passer du temps sur les réseaux sociaux. Mais quand on jeûne, on ne les fait plus de manière intense. On se prive de cela volontairement. Le corps aime ça, cette position-là où on est là, on n'est rien fait. On suit la télé, on passe des moments de joie, des moments de plaisir à travers ce qu'on voit.
ou aller là, chatter, regarder sur Internet, passer du temps. Si on ne peut pas se priver de son téléphone parce qu'on travaille ou on fait autre chose, mais on peut du moins réduire notre temps, enlever ce qui est amusement pour vaquer à la prière. Le jeûne, c'est aussi une manière biblique de s'humilier devant la face de Dieu. Une manière biblique de s'humilier devant la face de Dieu. Le jeûne est une manière biblique de s'humilier devant la face de Dieu. La Bible nous le dit dans le psaume 35, le verset 13. Psaume 35, verset 13. Il est écrit, « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. » Souligné, « J'humiliais mon âme par le jeûne. » J'humiliais mon âme par le jeûne. Le jeûne est une manière d'humilier son âme devant la face de Dieu. D'humilier son âme devant la face de Dieu. Ésaïe 58, le verset 4 et 5. Ésaïe 58, verset 4 et 5. Renchéris et appuie cette même pensée. Ésaïe 58, du reste, nous parle du vrai jeûne. Il est écrit, « Voici, vous jeûnez pour disputer, vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ces jours. Vous ne jeûnez pas comme le veut ces jours. Pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Un jour où l'homme humilie son âme. Je répète, un jour où l'homme humilie son âme. Courber la tête comme un jonque et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Vous voyez, les textes nous montrent des vérités ici. La Bible nous dit que Dieu ici reprochait à son peuple. Il dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ces jours. C'est-à-dire, il y a des exigences. Quand on est dans un jour des jeûnes, il y a des exigences. Il y a des exigences. Vous ne jeûnez pas comme le veut ces jours. Et le Seigneur ajoute, il dit, un jour où l'homme humilie son âme. Le jour des jeûnes, c'est un jour où l'homme humilie son âme. Il humilie son âme. Et le jeûne fut un des principaux moyens que les hommes ont utilisés, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, pour s'humilier devant Dieu. Pour s'humilier devant Dieu. Jeûner, c'est aussi l'expression de notre consécration à Dieu. Jeûner, c'est aussi l'expression de notre consécration à Dieu. Jacques chapitre 4, le verset 8 à 10. Jacques 4, 8 à 10. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Un jour de consécration. C'est un jour où nous exprimons la consécration. La consécration, c'est quoi? C'est le fait de se mettre à part pour Dieu. On se met à part pour Dieu. On s'abandonne entre les mains de Dieu. On se livre entre les mains de Dieu. C'est cela, jeûner. Alors, voyons maintenant les choses à savoir sur le jeûne. Les choses à savoir sur le jeûne. Les choses à savoir sur le jeûne. Si Dieu approuve la pratique du jeûne, il en désapprouve le mauvais usage. Il approuve la pratique du jeûne, mais il en désapprouve le mauvais usage. Un des pères de l'Église disait, le jeûne, c'est un remède inutile et même dangereux pour celui qui en ignore son caractère et ses conditions.
Le jeûne est un remède inutile et même dangereux pour celui qui en ignore son caractère et ses conditions. Ça veut dire, si vous ignorez les conditions du jeûne, les choses qui doivent remplir votre jeûne, bien-aimé, vous risquez de passer à côté. Ça peut devenir inutile pour vous. Imaginez, vous avez jeûné, mais aux yeux de Dieu, c'est comme si vous ne l'avez pas fait. Quelle tragédie! Vous avez jeûné, mais ça devient dangereux. Au lieu de vous bénir, les jeunes vous maudissent parce que vous ne jeûnez pas comme le veut ces jours. Je répète, il y a des conditions pour réussir son jeûne. Le jeûne n'est pas réussi parce que je me suis privé de nourriture. C'est ce qui fait que ce jeûne est approuvé. Non, il ne suffit pas de se priver de nourriture. Mais il faut ici comprendre les contours des jeûnes. En avoir la compréhension pour réussir ces instants. Imagine, tu fais 21 jours en ces lieux. Tu as jeûné 21 jours, mais à la fin de cela, Dieu dit, c'est rien du tout, c'est zéro. Quelle tragédie. Tu as perdu des forces, tu t'es privé de nourriture, de toutes ces choses. Tu as fourni des efforts vains. Des vains efforts, comme ça. Pour rien. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Il y a une bonne et une mauvaise manière de jeûner. Ça, il faut le noter. Il y a une bonne et une mauvaise manière de jeûner. Commençons par parler de la mauvaise façon de jeûner. La mauvaise façon de jeûner. Voici quelques caractéristiques d'un mauvais jeûne. Une mauvaise façon de jeûner. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui se fait de manière populaire. Je disais le matin, je dis, ce n'est pas parce que plusieurs personnes sont dans une chose ou font une chose, que cette chose-là est forcément vraie. Elle est forcément bonne. La vérité ne tient pas compte du grand nombre des personnes. Non. Elle n'est pas toujours dans les camps de la majorité. Et je crains, quand je vois ces caractéristiques, les signes des mauvais jeûnes, je me rends compte que un très grand nombre des chrétiens jeûnent très mal. Très mal. La mauvaise façon de jeûner. Premièrement, le jeûne hypocrite. Le jeûne hypocrite. C'est un jeûne qui prend appui sur l'apparence. Il prend appui sur l'apparence. Il y a l'idée ici de paraître. C'est celui que Jésus dénonce dans les sermons sur la montagne. Où il s'en prend à ceux qui font triste mine. Rendant leur visage tout défait en jeûnant. Dans Matthieu 6, 16, il dit, Matthieu, chapitre 6, le verset 16, Jésus dénonce ces jeûnes-là. Il le dénonce. Écoutez ce que Jésus dit. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait. Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Alléluia. Ils reçoivent leur récompense. Jésus dénonce l'usage hypocrite du jeûne qui consiste à attirer l'attention des autres sur sa vie spirituelle. Ce qui revient à être du théâtre. On veut prouver quelque chose aux gens. Et le danger ici, c'est de jouer au super spirituel, comme les pharisiens. Quand vous lisez dans la parabole du pharisien et du publicain, dans Luc chapitre 18, verset 12, le pharisien s'est glorifié. Dans sa prière, il dit, Seigneur, je ne suis pas comme les mauvais hommes de ce monde, les adultères, les impudiques, les gens qui ont de mauvaises vies, comme ces publicains. Il dit, moi, je jeûne. Deux fois par semaine, je donne mes aumônes aux pauvres, je prie devant la face de Dieu. Mais pourtant, Jésus a désapprouvé cela. Jésus a désapprouvé cela. En d'autres termes, ces jeunes hypocrites, c'est tout simplement de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Quand on voit sur les réseaux sociaux, sur les médias, des gens qui vont à jeûne, dans la prière, à la montagne, dans la forêt, avec des caméras, c'est le jeune hypocrite. C'est les jeunes hypocrites.
En film, on vous montre. Regardez, il y a telle activité qui arrive. Le prédicateur est allé en forêt en jeûne. Lorsqu'il sortira, ça sera grave. C'est un jeûne hypocrite. Il est hypocrite. Il veut faire croire aux gens qu'on est super spirituel. Et des gens comme ça, Jésus dit, ils ont déjà leur récompense. Jésus dit, moi je n'ai pas de récompense à leur donner. Bien-aimés, faisons attention qu'en jeûnant, nous puissions faire un jeûne hypocrite. Nous voulons prouver à tout le monde que nous jeûnons. Nous voulons que tout le monde en parle. Nous voulons faire croire aux gens que nous, nous sommes spirituels. Ces jeunes-là, c'est un jeune qui se trompe des destinataires. Il ne cherche plus la présence de Dieu, mais l'admiration des autres. C'est pour prévenir une telle dérive que Jésus préconise la discrétion. Toujours dans Matthieu 6, le verset 17 à 18, Jésus dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les lieux secrets, te le rendra. Parfume-toi. J'espère que vous êtes parfumé. J'espère que vous vous êtes lavé. Alléluia. Il y a des doctrines qui enseignent que quand on est à jeun, il ne faut pas se laver, il faut rester ainsi. Non, frère, Dieu n'est pas un Dieu de médiocrité. Il y a des gens, les jours du jeûne, vous le voyez, oh, ils ne sont pas du tout beaux. Parce qu'ils sont à jeun. On laisse les cheveux en pétard. On met des grosses robes là. On s'habille n'importe comment parce qu'on jeûne. Lorsque les gens poseront la question, mais comment tu as une mine bizarre comme ça? Pourtant la Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Mais toi tu tournes les regards vers Dieu, mais quand on te regarde, ton visage est tout défait. Non, ce n'est pas ce jeûne-là que le Seigneur approuve. C'est un jeûne hypocrite. Déjà dans l'Ancien Testament, la Bible nous apprend que Dieu prévenait le mauvais usage du jeûne, la mauvaise motivation du jeûne. C'est ainsi que Dieu a condamné cela dans Zacharie 7, verset 5. Vous voyez cela? Vous voyez aussi les jeûnes de mauvaise motivation, celui que Jézabel a lancé contre Naboth dans 1 Roi chapitre 21, verset 9 à 10. Bien-aimés, faisons attention de faire un jeûne hypocrite. Un jeûne qui consiste à prouver aux gens qu'on jeûne. On est à la maison, on se dit, non, moi, attention, moi je fais 21 jours. D'ailleurs, j'avais commencé avant déjà. On veut prouver ça aux gens. Attention. Deuxième type de mauvais usage de jeûne, la mauvaise façon de jeûner, nous avons aussi le jeûne comme un moyen de pression sur Dieu. Un moyen de pression sur Dieu. Oh, combien dans mon pays on fait cela? Les gens utilisent le jeûne comme moyen de pression. Ceci est une autre manière de contourner le vrai motif du jeûne en donnant à l'acte lui-même un pouvoir qu'il n'a pas. L'acte lui-même n'a pas un pouvoir particulier de contraindre Dieu. Et comment les gens le font? En pensant par exemple que le fait de jeûner va obliger Dieu à nous exaucer. En raison des efforts qu'on fournit, qui accompagnent la prière. Papa, nous avons côté Zamba 40 jours. Nous avons ça la terre. Nous obligé. Si tu entends quelqu'un dire ça, il est déjà loin, loin de la volonté de Dieu. On ne peut pas dire que Dieu est souverain et oser dire que Dieu est obligé. Il faut, nous avons ça. Il faut. N'oublie jamais. Tout est grâce. Tout est grâce. Après ces 21 jours, tu auras beau prier, tu auras beau jeûner, tu auras cherché la face de Dieu. Mais si tu ne le fais pas convenablement, il n'y aura pas de résultat. Et à toi qui auras fait les choses convenablement, lorsque tu auras prié, tu vois des exaucements, tu vois la gloire de Dieu. Ne dis pas, ce sont mes efforts. C'est parce que frère, après tout, tu as sali 21, il fallait nous abattre les mains. Vous voyez? Les gens de notre entourage, ils ont ces propos-là. Moutouana vraiment. Yé moutoua koti zamba. A qui qu'on priait? Nzamba ça la tête. Nzamba fois ça là. Non. Quand Dieu aura agi,
lève tes deux mains et dis, ce n'est que pure grâce. Je ne le méritais pas, mais Dieu m'a fait grâce. Parce que tout est grâce. Tout. Le salut nous vient par grâce. Et ainsi, tout ce qui accompagne vient par grâce. Ici, les risques, c'est de réduire le jeûne à une œuvre méritoire. On pense que c'est puisqu'on a jeûné qu'on a obtenu telle chose. C'est puisqu'on a jeûné qu'on a reçu, on a reçu tel résultat. Vous savez, ce sont des erreurs qu'on a faites par le passé. Moi, à un moment donné dans ma vie, je ne pouvais pas prêcher sans jeûner. Et quand je prêchais, la gloire de Dieu est descendue parce que j'ai jeûné. Mais ça, le Seigneur m'a reproché cela. Ce ne sont pas tes efforts. Tu dois comprendre que le plus grand de tes efforts ne peuvent pas t'élever à la hauteur de la moindre grâce de Dieu. Parce qu'en réalité, nous sommes des personnes qui ne méritions pas ce que nous avons. Le statut que nous avons, nous ne l'avons pas mérité, mes frères. Souviens-toi encore quand tu étais pécheur. Souviens-toi encore la vie mauvaise que tu menais. Tu étais un alcoolique, tu étais un drogué, tu étais un homme de mauvaise vie. Tu avais avorté, tu as pris le mari de l'autre, tu as fait des choses sales, tu as touché au fétiche, tu as fait l'occultisme, tu t'es compromis dans la vie, tu as fait tant de choses. Mais qu'est-ce qui a poussé Dieu à venir dans ta vie, laver tout cela, faire de toi un être nouveau? C'est sa grâce. Et sa grâce, c'est la manifestation de son amour pour nous. Maintenant qu'il a fait de toi un enfant de Dieu, Jean chapitre 1, verset 12 à 13 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Verset 13 dit, lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Aucun enfant de Dieu ne peut naître de nouveau sans la volonté de Dieu. Toute nouvelle naissance est la volonté de Dieu. Maintenant que Dieu t'a fait grâce, tu es quelqu'un de nouveau, ta vie a changé, tu n'es plus esclave du péché du passé. Ne te tape pas la poitrine. Tu es assis sur cette chaise de grâce parce que Dieu t'y a placé. Alors que l'orgueil ne remplisse pas ton cœur au point que tu commences à dire, Dieu doit me donner parce que je suis son fils. Es-tu un fils qui le méritait? Tu es fils par grâce. C'est comme un enfant que vous avez adopté à la maison. Vous lui faites des faveurs, vous lui faites des grâces. Un jour, il s'élève, il exige des droits. Mais come on, petit, tu oublies d'où tu viens. Tu oublies ce que tu étais. Jeûnons en réalisant que c'est le fruit de la grâce. Tout ce que nous pouvons obtenir après ces jeûnes, c'est parce que Dieu a compassion de nous. C'est parce que c'est notre Père. Il nous aime, il nous veut du bien. Mais ce n'est point une œuvre méritoire. Ne dis pas, je n'ai pas d'enfant, je vais jeûner 40 jours. Et vous allez voir, Dieu sera obligé. Il n'est obligé de rien, pas rien. Et il ne doit à personne des comptes. À personne, mes frères, à personne. Des fois, je ris bien quand j'entends des gens. Et on a même connu des cantiques comme ça. Nous avons ça là, sur la salité. Hein? Et vous allez soninayo. Toi, tu vois Dieu, toi. Si tu n'agis pas dans telle circonstance, Seigneur, la honte tombera sur toi. Qui te dit ça? Dieu se suffit. Sans toi, il est Dieu. Avant toi, il était Dieu. Après toi, il continuera à être Dieu. Réalisons la grâce que nous avons. Quelqu'un peut dire amen. Évitons ce type de jeûne comme moyen de pression. Et il y a des gens comme ça. Ils utilisent le jeûne comme moyen de pression. On va jeûner autant de jours et puis Dieu doit agir. Et pendant qu'il jeûne, là, il s'est mortifié, il dit en tout cas, « Na modelo yo !» Surtout ceux qui goûtent une salée à sec, là encore, c'est pire. Là, en tout cas, c'est fini. « Na tchenzambe kleboa !» Nzambe, réfléchis bien. Réfléchis bien de qui tu parles. Alléluia. Un homme a dit, la prière accompagnée du jeûne n'est pas un moyen d'obtenir ce que nous voulons. C'est plutôt une occasion de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Je répète, la prière accompagnée du jeûne n'est pas un moyen d'obtenir ce que nous voulons. C'est plutôt une occasion de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Le jeûne ne change pas Dieu. Le jeûne te change toi. Le jeûne me change moi. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est changé par rien. Il est immuable. Mais c'est nous que le jeûne transforme. C'est nous que le jeûne change. Plaise à Dieu que ce temps des jeûnes te transforme toi. Te donne une nouvelle révélation de Dieu. Alléluia. Troisième mauvaise manière de jeûner, le jeûne par l'égalisme. Le jeûne par l'égalisme. Par l'égalisme, vous entendez la loi. C'est une autre pratique non conforme à l'enseignement biblique. Et généralement, cette pratique guette ceux qui ont l'habitude de jeûner régulièrement. Parce que, à force de jeûner, on tombe dans la loi. On tombe dans la loi. Ce sont des erreurs que nous avons faites, je venais de le dire. Car alors on réduit le jeûne à une règle qu'on s'oblige à observer soi-même quand on ne l'impose pas aux autres. On s'oblige. Au lieu d'être vécu dans la joie, la reconnaissance, le jeûne peut devenir un fardeau pénible. Alors que jeûner, c'est avant tout se réjouir de la présence de Dieu. C'est prendre du temps pour être disponible devant Dieu. Ce n'est pas sans doute pour rien si le Nouveau Testament parle de la pratique de jeûne de manière comme une réalité occasionnelle qui est liée aux circonstances particulières. Nous avons lu Matthieu chapitre 6, 16. La Bible dit quand vous jeûnez, lorsque vous jeûnez. La Bible n'utilise pas un impératif. Cet adverbe-là veut dire que c'est quelque chose qui vient de temps en temps. De temps en temps. En temps normal, l'homme ne peut pas vivre dans le jeûne tout le temps. Ah voilà, je veux faire un jeûne de 365 jours. Ok, mais après 365 jours, il faut quand même que tu redeviennes normal. Ah non, je veux faire un jeûne de 3 ans, de 5 ans. D'abord là, si tu fais ça, c'est que tu n'es pas marié. Et en plus, les enfants. Pourquoi faire souffrir l'enfant d'autrui, la femme, la fille d'autrui? Il faut rester célibataire. Tu vas faire ça seul. Comme ça, si tu meurs, tu meurs seul. Alléluia. Et ne pas laisser quelqu'un dans les chagrins. Vous voyez, on fait de ça une règle à laquelle on s'impose absolument. On tombe dans les pièges du légalisme. Il faut jeûner. Et il y a des gens comme ça. Je vais faire 7 jours. 7, 14, 14, 21, 21, 30, 30, 40, 40, 100 jours. Et il vit comme ça. Légalisme. On croit que c'est puisqu'on jeûne qu'on obtient quelque chose. Non, mes frères, ne tombez pas dans les légalismes. L'homme n'a pas été fait pour les jeûnes. C'est le jeûne qui a été fait pour l'homme. Jésus le disait, parlant du sabbat. Les juifs ne comprenaient pas cela. Ils pensaient que le sabbat est une loi pesante sur eux. Ou un Dieu méchant, un Dieu, un père fouettard, avait placé une loi rigide sur eux. Parce que vous savez, dans la loi juive, dans le jour du sabbat, il y a un nombre de pas qu'il ne faut pas faire. Parce que de peur que ça redevienne comme une activité, comme un travail, un effort que vous avez fait. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Pourtant, quand Dieu a institué le sabbat au commencement, ce n'était pas dans le but de restreindre l'homme. C'était la possibilité de donner à l'homme un temps de repos et un temps où il réfléchirait un peu plus sur Dieu. Mais l'homme a mal compris ça. Comme généralement, nous aimons tomber par la routine dans le légalisme, alors l'homme est devenu légaliste. C'est comme ça qu'ils ont commencé à juger les gens. Non, les jours du jeûne, tu ne peux pas faire ça. Les jours du jeûne, tu ne peux pas. Et Jésus vient guérir un malade, un sabbat. Ils disent, non, c'est le jour du sabbat, tu ne peux pas guérir. La loi interdit le travail. Mais Jésus dit aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit. Ils vont même jusqu'à dire aux paralytiques, non, ne prends pas le lit, reste là. Oh, Jésus leur dit, mais vous, quand vos bœufs
tombe dans un piège. Tu as une vache, tu as un bœuf qui tombe dans un piège. Est-ce que tu n'iras pas les délivrer parce que c'est le jour du sabbat? Il dit, cet homme ou cette femme qui était liée par Satan au temps des temps esclaves, ne fallait-il pas la délivrer parce que c'est un jour du sabbat? Il dit, afin que vous sachiez que le fils de l'homme est le maître du sabbat. Lève-toi, prends ton lit et marche. Devant l'évidence, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Le monsieur prend son lit. C'était évident. Tout le monde voyait cela. La gloire de Dieu était là. Pourquoi ils ont failli? Parce qu'ils ont pensé que c'était une loi pesante que Dieu plaçait sur. C'est ici l'exemple que je vous ai donné l'autre fois. Un frère s'est levé un jour. À l'époque, nous étions encore de l'autre côté dans la salle. On faisait le même programme de 21 jours. On arrive vers la fin, il vient me dire, pasteur, Dieu m'a dit, tous ceux qui n'ont pas jeûné dans l'église, qui ne soient pas étonnés, il va les frapper. Beaucoup vont souffrir d'hémorroïdes, des maladies compliquées, des maladies sans nom et même des décès. J'ai dit, come on frère, c'est quoi ça? Oh non, Dieu a dit, j'ai dit non, Dieu ne t'a pas parlé. Dieu va frapper les gens parce qu'ils n'ont pas jeûné. Mais écoutez, soyons sérieux. Quand nous lançons de tels programmes de jeûne, tout le monde ne peut pas jeûner. Il y a des femmes enceintes qui ne peuvent pas jeûner. Est-ce que tu sais ça? Il y a des femmes qui allaitent qui ne peuvent pas jeûner. Il y a des personnes qui sont sous une cure, un traitement, qui ne peuvent pas jeûner. Osez prendre des médicaments à jeun, mais vous détruisez votre foi. Vous voyez, quand on est immature, on se permet de telles choses. Et c'est comme ça que vous voyez des gens qui apparaissent dans vos vies. Ils vous imposent un programme de jeûne que seuls eux ont reçu sans pour autant que vous, vous en soyez convaincus. Mais comme vous êtes pris dans les filets du légalisme, Dieu a parlé haut les mains. Ma vie est en danger, je dois obéir. J'ai vu des gens comme ça aller dans des familles où les enfants sont même païens, mais on leur impose les jeûnes parce que ça doit être comme ça. Et on a vu des enfants mourir. Je connais une femme enceinte, elle est morte parce qu'elle était dans une de ces assemblées où la doctrine était mauvaise, où on impose les jeûnes. Elle va voir ses leaders pour dire, mais non, il faut d'ailleurs que tu jeûnes pour cet enfant-là. Mais cette femme, cet enfant finit par mourir dans le ventre. Et après, non seulement cela, dans ses programmes, elle a connu un déséquilibre de son organisme et elle est allée jusqu'à la mort. Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Frère, en jeûnant à cet endroit, si tu sens que tu veux mourir, mange, frère. Est-ce que tu m'entends? Oui, mange, je te préfère vivant que mort. Tu seras plus utile au Seigneur vivant que mort. Au mon livre, lequel est le mot koufalia? N'avez-vous pas lu que David avait mangé les pains des propositions qui étaient dans le temple? Est-ce que c'était à David de les manger? Il ne pouvait pas toucher, David n'était pas sacrificateur. Mais ce jour-là, il fouillait Saül. David n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Il était affamé, en train de fuir la mort. Il entre là-bas, il prend. On veut juger David pour cet acte. Et Dieu dit non, laissez. Dieu, c'est notre père, frère. Je dis, c'est notre père. C'est notre père. Ce n'est pas un père qui accepte des bêtises et des sottises. Non. Mais c'est un père qui compatit. Il sait. C'est pourquoi toi qui n'as pas pu jeûner, pour une raison ou une autre, ne fouille pas. Viens prier avec nous. Viens prier. Tu as ta place dans la maison de Dieu. Ce n'est pas du légalisme ici. On va commencer à contrôler. Encore là, il faut un thermo, je ne sais pas moi. Thermo-ventre. Ou estomac. On va commencer à utiliser un thermo-estomac. En plus du thermoflash qu'on a là, on va y mettre. On met sur l'estomac. Est-ce que cet estomac a bouffé ou pas? Celui qui n'a pas mangé, il entre. Celui qui a mangé, rentre chez toi. Non, c'est du légalisme. Un légalisme insensé. Dites amen. Amen. Néanmoins, nous devons jeûner. C'est la recommandation du Seigneur. Mais nous ne devons pas le faire pour nous tuer. Un serviteur de Dieu me disait, il dit, pasteur, très franchement, celui qui a jeûné de manière exagérée, sans conscience et compréhension, et qui en meurt, je ne sais pas vous dire où est-ce qu'il va aller, au ciel ou en enfer, parce que c'est un suicide. Il faut qu'on réfléchisse sur la question. Il s'est suicidé. Alléluia. Alléluia. Évitez les légalismes. Évitez les légalismes. Dieu ne vient pas vous imposer des choses.
Dieu veut que vous fassiez les choses dans la compréhension et dans l'amour. Nous jeûnons parce que nous aimons Dieu. Nous jeûnons parce que nous comprenons que c'est important. Vous savez, la loi a eu son temps dans l'Ancien Testament. Mais là, nous sommes à l'époque de la grâce. Et la grâce, c'est rendre les gens responsables. C'est comme un enfant qui a grandi dans une maison, une famille, où on lui imposait des choses. Tu dois revenir avant 20 heures, tu dois faire ceci, tu dois te coucher à telle heure, tu ne dois pas toucher à ça, tu ne dois pas faire ceci. On a tous grandi comme ça dans les familles, n'est-ce pas? Mais maintenant que tu as l'âge de la maturité, tu es responsable, tu vas chez toi à la maison. Ce que tu as appris lorsque tu étais sous la loi, sous le toit parental, doit maintenant te servir. Mais sans pour autant qu'il y ait quelqu'un derrière toi. Tu es chez toi. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu peux faire la pagaille dans ta maison. Tu peux vivre dans la débauche comme tu veux. Tu peux vivre dans l'alcool comme tu veux. C'est ton choix. Mais tu devras assumer les conséquences. Sauf que un enfant qui a bien compris le sens de l'époque où il était encore sous la discipline des parents, c'est un enfant qui sera régulé dans sa conduite. Lorsqu'il sera seul, il s'en souviendra. Et il va commencer à pratiquer ça, mais dans la compréhension. Si hier, on devait te taper pour que tu fasses tes devoirs, maintenant que tu es à l'université, tu te gères seul, tu comprends que je dois faire les devoirs, parce que si je ne fais pas, j'échouerai. Tu deviens responsable. C'est comme ça le temps de la grâce. Cette époque de la grâce n'est pas un libertinage qui nous est donné pour dire non, 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 comme certains disent, tu n'as pas besoin de jeûner. Non, mes frères, le jeûne a sa place. Le jeûne a sa place. Mais seulement, ce n'est plus une loi que Dieu nous impose. Ou si tu ne jeûnes pas, je te tue. Si tu ne jeûnes pas, je te maudis. Non, non, non. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'aucune personne s'élève prétendant avoir reçu une révélation que vous devez jeûner. Si vous ne le faites pas, vous tombez sous la malédiction. Frère, c'est archi faux. C'est pourquoi nous disons toujours, connaissons la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous serez ballotté par tout vent des doctrines. Les gens vont vous amener ici. Tu vois quelqu'un qui s'élève. J'étais pasteur à Lemba. J'ai raconté ça le matin. J'ai vu trois prophètes qui sont venus la même semaine. L'un me dit, tu dois amener l'église dans 14 jours de jeûne et prière. Un autre vient, il me dit, non, pasteur, vous devez amener l'église dans 30 jours. Un autre dit, non, pasteur, le Seigneur a dit 40 jours. Maintenant, je vais écouter qui? Et puis, comment toi qui es à l'extérieur, tu viens m'imposer quelque chose? Mais mon frère, quand nous servons Dieu là, nous écoutons Dieu aussi. Mais que le Seigneur m'en parle aussi. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent leur chrétienté dépendant des autres. Ça, vous êtes encore à l'Ancien Testament. Tu te maries parce que les prophètes avaient dit. Est-ce que les prophètes viendront vivre avec ta femme là où tu es marié là? Qui a un caractère dur et sale. Non, 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 non. Il faut leur dire dans ce domaine là, que Dieu me parle et moi. Oui, qu'on ne te trompe pas. Il y a des gens qui croient que quand on lui donne une prophétie, ça veut dire, oh les mains, si tu n'obéis pas, la destinée est perdue. Attention, tu sais où la destinée d'un enfant de Dieu est cachée? Elle est cachée dans l'œuvre de la croix, dans le sang que Jésus a payé à Golgotha. Et tu penses que c'est un jeûne ou le fait de ne pas jeûner qui va hypothéquer la destinée d'un enfant de Dieu? Tu te trompes, frère. Tu te trompes. Tu te trompes. Alléluia. Évitons les légalismes. Évitons les légalismes. Quatrième mauvaise façon de jeûner. Le jeûne pratiqué comme moyen de mortification du corps. Le moyen de mortification du corps. Vous voyez? Le jeûne peut servir de paravent à une fausse perception de son corps. C'est le jeûne pratiqué comme moyen de mortification, comme les ascètes. L'ascétisme, c'est un mouvement qui a régné à l'époque des apôtres. Un apôtre comme Jean a eu à combattre les ascètes. Chez eux, la doctrine dit clairement que tout ce qui est matériel, principalement le corps, est méprisable. Source de tous les vices. C'est pourquoi il doit être détruit. C'est une vision païenne de la nature humaine qui nous vient de l'Antiquité grecque, mais qui est étrangère à la parole de Dieu, à ce que la Bible nous enseigne. La Bible dit le Seigneur est pour le corps. 1 Corinthiens 6, 13.
et que tout ce que Dieu a créé est bon, et que rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est consacré par la parole et la prière, 1 Timothée 4:5. Jeûner peut effectivement aider à maîtriser son corps, mais jamais à le détruire, jamais au mépris de son corps. Ce sont des erreurs du passé. Je ne sais plus si aujourd'hui on les voit, mais à l'époque où je me suis converti, dans les années 90, vous savez quoi mes frères? On assistait à des scènes. Une fois je suis allé dans un culte, il y avait dans une église une assemblée. On a exigé à tout le monde, on va se mettre à genoux sur les caillasses. En plein midi frère, on doit s'exposer à la chaleur du soleil, parce que Sengeli moi, moto ya moi, et tumba, nzotoyo, nzotama sumo. C'est comme ça que vous voyez, cette doctrine est répandue en Asie. On doit se faire des incisions sur le corps, comme les prophètes des Baal, qui pensent qu'en mortifiant la chair, on sera approuvé par Dieu. Malheureusement, il y a des gens comme ça. Il s'élève pour prendre un programme de jeûne. Vous le voyez là, il est prêt à casser la pipe là-bas. Non, c'est pour mortifier mon corps. Attention, la Bible nous appelle à crucifier la chair et pas le corps. La chair, c'est le vieil homme. C'est l'homme pécheur, l'ancien que nous étions, qui a tendance à ressurgir. Vous voyez? Mais il ne faut pas détruire ton corps. La Bible dit, c'est lui qui détruit ses corps, ses temples. Dieu les détruira. Nous ne sommes pas appelés à nous mortifier, à nous autodétruire. C'est pourquoi vous voyez dans ces sectes-là, vous voyez des jolies femmes, elles ne ressemblent plus à rien. Pourquoi? Parce qu'on mortifie le corps. Oh! Frère, nous tous, là, même quand on s'est mariés, on a d'abord vu le corps, non? Vrai ou faux? Non, pas vous. Il n'y a personne ici, lui, qui est marié, qui a regardé au corps. Vous avez regardé à l'esprit. Parce que vous-même, vous êtes spirituel. Il n'y a que moi qui ai regardé au corps. Il ne faut pas que ma soeur, quand on te regarde, on ne te voit pas. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Ça, c'est un mauvais jeûne. On mortifie le corps. On mortifie le corps. Il est dangereux. Et ce sont des abus comme ça qui ont jeté les discrédits sur la pratique que Jésus lui-même recommande, qui peut devenir une source de bénédiction. Jésus nous recommande pourtant de jeûner. Et des fois, quand on regarde, si c'est ça, vous voyez des gens aujourd'hui qui vivent dans certaines sectes comme à l'Ancien Testament, tel qu'on est là, il fallait nous tous là, on prend de la cendre, on met là. Vous connaissez ces gens-là. Tous les jours, on se lave avec la cendre, pas avec l'eau. Et mon Dieu, dans des milieux comme ça, quelle puanteur, nauséabond. Des gens qui ne se lavent pas pendant des semaines entières. Déjà, quand tu fais un jour, tu ne t'es pas lavé, le corps ne se sent pas bien. Oui ou non? Vrai ou faux? Mais comment tu tiens une semaine? Tu fais une semaine, tu fais 21 jours, tu ne t'es pas lavé. Si on t'a enseigné comme ça, vous savez, ça, ce sont des doctrines sataniques. Satan aime la saleté. Dieu parle de parfum pendant le jeûne. Notre Dieu est excellent. Il parle des choses qu'il est lui-même. Et je parie qu'au royaume de Dieu, ça sent bon. C'est beau. Dites Amen. Il ne faut pas qu'on devienne comme des gens là bizarres. Puisque tu jeûnes là. Même la façon de parler change. Tu vois une sœur avec une voix. Tu vois jambi. Pourquoi tu dis jambi? C'est quoi trop bon de langue? Ça ne s'assoit plus. Oh! Un colo. Mon amour, c'est. Donc, tout ce qui est yangela, pointé, ingébéné. Ouh! Là, on a frère Akimi. Frère, on a vu des choses. On a vu des choses dans cette marche chrétienne. Arrêtons ces choses. Alléluia. Arrêtons de pouvoir jeûner avec autre chose que ce que Dieu a dit. Voyons rapidement maintenant la bonne façon de jeûner.
la bonne façon de jeûner. Voici la bonne façon de jeûner. Ésaïe 58, verset 6. Ésaïe 58, verset 6. Il est écrit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Il y a des gens qui se posent la question, mais ça, on va faire comment? Écoutez ce que ça signifie. Maintenant qu'on a dénoncé le mauvais usage de jeûne, Dieu précise ici qu'il y a une bonne manière de jeûner qu'il attend de nous. Et ici, dans Ésaïe 58, verset 6, il le dit. Remarquez très bien les verbes que Dieu utilise ici. Au verset 6, il dit, détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Vous voyez? Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Donc, la bonne manière de jeûner, premièrement, le jeûne comme libération. Le jeûne comme libération. Et ici, ce jeûne est authentique dans ce sens qu'il nous délivre de notre égocentrisme. Il nous délivre de notre égocentrisme. Lorsque vous lisez le contexte, Dieu parle à son peuple. Il dit, pourquoi vous jeûnez ainsi? Vous ne jeûnez pas comme ce jour le veut. C'est durant les jours de jeûne que vous devez enlever la méchanceté. Détachez-vous des chaînes de la méchanceté. Dénouez les liens de la servitude. Vous êtes esclaves des péchés, esclaves des choses. Que votre cœur change. Renvoyez libres les opprimés. Cessez d'opprimer les gens. Il s'adresse à eux. En d'autres termes, ce jeûne authentique, c'est celui-là qui nous délivre de notre égocentrisme, de tout ce qui nous emprisonne, pour nous permettre d'entrer dans la dynamique de la grâce, du partage et du service. Alléluia. Je répète, le jeûne authentique, c'est celui qui nous délivre de notre égocentrisme et de tout ce qui nous emprisonne, pour nous permettre d'entrer dans la dynamique de la grâce, du partage et du service. Alléluia. Alléluia. Quand vous regardez Ésaïe 58, non seulement ce verset 6 nous dit ce qu'il vient de nous dire, mais le verset 7 aussi le dit. Regardez ce qui est dit particulièrement au verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Voilà le vrai jeûne, le vrai jeûne. Alléluia. En d'autres termes, ce jeûne ici doit nous transformer, nous. Dieu veut faire comprendre à son peuple, vous êtes remplis de haine, vous êtes remplis de manque de pardon, vous êtes là à faire du mal aux gens, vous êtes là à penser du mal aux gens. Commencez d'abord par enlever la méchanceté. Cessez d'opprimer les autres. Aujourd'hui, peut-être, tu n'enchaînes pas les autres. Tu ne vas pas faire prisonnier les autres. Mais aujourd'hui, tu le fais par tes propos, par ta langue. Il y a des gens qui ont des discours méchants envers les autres. Lorsque vous les entendez parler, c'est incroyable. Et quelquefois, tu parles ainsi de ton propre frère, de ta propre sœur. Et que dire de ton frère en Christ, de ta sœur en Christ? Il y a des gens qui ont fait prisonnier plusieurs dans leur cœur. Ils ont emprisonné les gens. Le Seigneur dit, ouvre les portes de ta prison là. Libère ces gens là. Enlève l'égocentrisme. Partage. Alléluia. Et notez bien, ce n'est pas le jeûne en lui-même qui libère. Il n'en a pas le pouvoir. Le jeûne en lui-même n'a pas le pouvoir de nous libérer. Non. Mais le jeûne nous permet d'être disponible devant Dieu et de dépendre davantage de lui. En jeûnant, nous plaçons Dieu en premier dans notre vie, avant même ce qui est une priorité pour vivre, à savoir se nourrir. Vous voyez? Quelqu'un qui accepte de se priver de nourriture pour chercher la face de Dieu, en d'autres termes, il est en train de dire, Seigneur, j'ai appris que manger est la priorité dans la vie de l'homme. Nous mangeons tous pour vivre. La nourriture passe avant tout, avant même d'étudier, avant de travailler, avant de faire quoi que ce soit. Tout le monde mange d'abord. Mais j'accepte d'enlever ce qui est prioritaire pour moi, pour te placer, toi, Dieu, en premier.
C'est une façon de dire même la nourriture qui est un besoin nécessaire, un besoin vital. Seigneur, ne vaut pas ta place. C'est pourquoi cette belle nourriture, je peux l'oublier. Je peux m'en défaire. Peut-être qu'il y en a qui sont connus ici pour aimer le foumboi avec les mabakou. Il y en a qui sont connus qui aiment le ntsakamades. Quand j'en parle là, oh, il y en a qui souffrent. C'est comme s'il voulait dire, pasteur, arrête seulement, arrête, s'il te plaît, ne dis plus. Il y en a qui aiment ça. Mais ils disent, Seigneur, pour toi, foumbo à côté, pour toi, tsakamade soit à côté. Toi d'abord, Seigneur, tu comptes plus que tout. Et vous voyez en cela, que fait le jeûne en vous? Il vous transforme. Il vous libère de cette dépendance-là. Vous étiez peut-être esclave, vous aimiez une chose plus que tout. Mais dans la chrétienté, il n'y a rien, et je le répète, rien que nous devons aimer plus que Dieu. Rien. Et quand je jeûne, je montre à Dieu, je suis capable de me défaire de n'importe quelle chose que j'aime pour toi, Seigneur. Voilà pourquoi toi qui es venu dans ces 21 jours, je te félicite. Toi qui jeûnes, je te félicite. On ne t'a même pas imposé ça. On t'a proposé un programme de jeûne. Voilà que tu es dedans. Et tu es prêt tout un mois à mettre de côté tout cela. Cela plaît au Seigneur. Dieu dit, oui, je compte vraiment pour lui. Je compte pour cet enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? En jeûnant, nous mettons Christ au centre de notre vie. Afin de le laisser agir par son esprit en nous. Jeûner ne consiste pas à faire pression sur Dieu pour obtenir une libération, mais à se mettre dans les meilleures dispositions pour écouter Dieu, pour recevoir de lui ce qu'il a à nous dire, le laisser nous transformer de l'intérieur. Celui qui jeûne refuse de se laisser distraire par quoi que ce soit pour se consacrer entièrement à la prière et à l'écoute de Dieu. À la prière et l'écoute de Dieu. Voilà pourquoi je l'ai dit, la prière accompagnée du jeûne n'est pas un moyen d'obtenir ce que nous voulons, mais c'est plutôt une occasion de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. La pratique du jeûne nous permet de faire le point devant Dieu, de lui remettre notre vie, ce qui occupe nos pensées, de nous décharger sur lui. Car ce qui se passe dans nos pensées, dans notre vie privée, intéresse le Seigneur. Ça intéresse Dieu. Il veut y régner en maître. Es-tu rongé par la rancune? Es-tu rongé par la jalousie? As-tu du mal à pardonner quelqu'un? Viens avec ça devant Dieu dans le jeûne. Seigneur, je n'arrive pas. J'ai dit à tout le monde, j'ai pardonné à ses frères, j'ai pardonné à cette sœur, mais il y a encore de la rancune en moi. Seigneur, détache-moi de cela, enlève en moi cela. Je ne peux pas prospérer dans tes mains si je suis rancunier. Seigneur, je pardonne difficilement. Seigneur, change-moi. Arrêtez avec ces jeûnes qui consistent à aller dans, je ne sais pas moi, à la montagne, prier que les ennemis meurent, que les ennemis disparaissent. C'est faux et archi-faux. Ce n'est pas biblique. Le jeûne doit transformer. S'il y a quelqu'un que le jeûne doit transformer, c'est le jeûneur. C'est celui-là qui jeûne. Et pour Dieu, quand tu sors d'un jeûne, tu n'arrivais pas à pardonner. Maintenant, tu pardonnes. Tu avais le cœur lourd pour quelqu'un. Maintenant, ton cœur est léger. Alors, tu as remporté une grande victoire spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as détaché les chaînes. Tu as ouvert les portes des prisons. Tu es asservi à un péché, une pratique que tu n'arrives pas à abandonner. C'est pour ça qu'on jeûne. Il faut jeûner. Tu n'arrives pas. Tu as lutté avec le péché, masturbation, pornographie. Je n'arrive pas à abandonner. Seigneur, je viens devant toi. Change ça en moi. Enlève ces choses au-dedans de moi. Alléluia. C'est ainsi que mes frères et sœurs, quand nous jeûnons, nous venons devant Dieu. C'est un jeûne de libération. Et qui est libéré? C'est nous-mêmes. Nous sommes libérés de nous-mêmes.
savez, il y a deux manières d'être rempli. On peut être rempli de Dieu, mais on peut aussi être rempli de soi-même. Aussi, peut-être une troisième, être rempli des démons. Mais la plupart du temps, en Christ, il y a des enfants de Dieu qui sont remplis d'eux-mêmes. Vous sentez leur conduite, leur marche, c'est la chair, c'est eux, c'est l'égocentrisme, c'est eux. Ils ne pensent qu'à eux, ils ne tournent les regards que sur eux. C'est leur avantage qu'ils recherchent. Mais quand nous venons jeûner comme ça, mes frères, nous apprenons à comprendre que tout ne doit pas seulement tourner autour de nous. Dans ce monde, il n'y a pas que nous, il y a les autres. Voilà pourquoi nous pouvons prier pour les autres, pour le bien des autres. Nous pouvons prier pour le pays, nous pouvons prier pour les autres chrétiens. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, détache les chaînes de la méchanceté. C'est le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Il y a des jougs pesants sur plusieurs. Des jougs pesants. Il faut te détacher de cela dans le jeûne. Deuxièmement, le jeûne comme partage. Il dit ici, partage ton pain avec celui qui a faim. Partage ton pain. La pratique du jeûne et de la prière ne concerne pas seulement nous-mêmes, mais aussi les autres. Un des pères de l'Église disait toujours, jeûner, mais aussi partager. Jeûner, partager. Mais quand vous regardez aujourd'hui, le christianisme d'aujourd'hui, est-ce que tous ceux qui jeûnent la partagent? Non. Quelqu'un a dit, la prière prend son envol quand on est porté par les deux ailes, ces deux ailes-ci, jeûner et partager. Tu jeûnes et tu partages. S'il ne concerne que soi-même, le jeûne reste incomplet. Voilà pourquoi quand vous venez ici jeûner là, ne venez pas seulement pour vous. Derrière chacun de vous, il y a des familles. Il y a des amis, il y a des gens dans votre entourage, votre sillage, ou dans le milieu professionnel, des personnes qui n'ont personne pour prier pour elles. C'est à vous de penser à ces gens-là dans la prière. Aujourd'hui, tu es peut-être en Christ parce que quelqu'un a pensé à toi dans la prière. Partageons, partageons. Partagez le pain à celui qui a faim. Ce n'est pas seulement un pain physique, mais c'est quelque chose qui est en toi, qui est dans ta vie, qui sort pour les biens de l'autre. Est-ce que tu me comprends? Ta prière peut être dégagée devant Dieu pour les biens de quelqu'un d'autre. Pourquoi toi, quand tu pries, c'est toujours toi? Seigneur, ma vie, Seigneur, mes études, Seigneur, mon travail, ma femme, mes enfants, Seigneur, moi. Oh! Pense aux autres. Partage. Un jeûne comme? Partage. C'est un jeûne que Dieu, auquel Dieu prend plaisir. Jeûne comme libération, jeûne comme partage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux que Dieu approuve ton jeûne? Tu dois pratiquer ces jeûnes comme libération, où tu te détaches de l'égocentrisme, tu te détaches du manque de pardon, de toutes ces choses-là, ces saletés qui étouffent ta relation avec Dieu. Mais également, tu jeûnes pour partager. Tu penses aux autres, tu cherches à faire du bien. Tu parles en bien des autres. Par ton témoignage, quelqu'un est pris au travail. Par ton témoignage, quelqu'un a reçu un secours, une aide. Que quelque chose sorte de ta vie pour faire du bien à quelqu'un d'autre. Ne termine pas ces 21 jours en ayant prié que pour toi et toi seul. Viens avec les requêtes des autres aussi. À un moment donné, nous mettrons des bacs ici pour des prières. Des prières, ça viendra. Il y a une semaine qui est réservée à ça. Quand on le fera, pense aussi aux autres. Et vous savez, autour de nous, il n'y a que des requêtes et des requêtes et des requêtes. Tout celui que tu rencontres dans la vie, toutes les personnes que tu vois autour de toi qui souffrent, qui peinent, ou même qui semblent être heureuses, ce sont des requêtes. Ce sont des requêtes. Que quelque chose sorte de ta vie pour les biens des autres. Et même quand tu vas gagner spirituellement, en grâce, en onction, que cela serve au bénéfice de quelqu'un. Que cela serve pour bénir la vie de quelqu'un d'autre. Alléluia. Les jeûnes doivent être un partage. Les jeûnes doivent être un partage. La pratique du jeûne, de la prière, tend à transformer notre regard et notre cœur en le rendant plus généreux.
moins égocentrique. Car le jeûne nous permet de revoir nos priorités, y compris dans les domaines sociaux, dans les domaines matériels. On revoit nos priorités. C'est dans un jeûne qu'un papa doit prier et dire non. Je pense que je n'ai pas suffisamment donné d'amour à ma femme. Il faut que j'apprenne à l'aimer. Une maman dit non, j'ai fait souffrir aussi mon mari. Mes enfants, il faut que je pense à eux aussi. C'est là qu'on revoit, on change de regard, on tue l'égocentrisme pendant le jeûne. Mais beaucoup jeûnent, pas comme le veut ce jour. Un jeûne pratiqué dans cet esprit d'humilité, d'écoute, de disponibilité, de partage, ouvrira toujours des nouveaux horizons devant nous. Il ouvrira toujours des nouveaux horizons. Ésaïe 58, la suite dit au verset 8, regardez l'horizon que ça ouvre. Quand tu jeûnes, comme je viens de citer, tu jeûnes dans un jeûne comme libération, un jeûne comme partage, la Bible dit au verset 8, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Qui connaît l'aurore? Le lever du soleil. La lumière va venir comme le lever du soleil. Vous voyez le soleil le matin quand il s'élève glorieusement. Rien ne l'arrête. Ta lumière aussi viendra ainsi, c'est-à-dire la bénédiction. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Je prie que la lumière puisse poindre comme l'aurore dans la vie de quelqu'un après ces 21 jours. Après ces 21 jours, que la guérison germe promptement dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la justice marche avec toi et que la gloire de Dieu t'accompagne tout au long de cette année 2021. Alors ne jeûne pas n'importe comment. Ne fais pas un jeûne hypocrite. Ne fais pas un jeûne pour faire valoir tes mérites ou chercher à faire pression sur Dieu. Non, non, non. Jeûne comme ces jours l'imposent et les demandent. Baissons la tête. On va prier. Alléluia. Je voudrais nous demander à tous de nous lever, mes frères. Prenons un moment de prière, s'il vous plaît. Prenons un moment de prière.